Comment vous allez? Aïe, comment vous allez? Oh. Un jour et demi pour me reposer. Donc, depuis avant-hier, j'ai pas fait de vidéo depuis avant-hier. Voilà. Donc, j'ai pris ce temps-là pour bien me reposer parce que j'étais tellement, tellement fatigué. Alors, TikTok, aujourd'hui là, les trucs là sont ici. Hein. TikTok, essayez de tapoter, attendez, le truc là sort ici, comment je vais, essayez de tapoter TikTok, tapoter, aïe, vous connaissez, YouTube c'est comment, 69 personnes, bonjour, voilà, vous voyez Gildas, vous avez le truc bleu, le t-shirt bleu avec la carte d'Afrique devant votre nom, parce que vous êtes membre, j'ai changé les trucs là. Voilà. Les plus anciens ont ma photo directement sur leur profil. J'ai changé un peu. Merci d'être membre de la chaîne. 73 personnes. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Hey, Donald J. Trump. Je me suis bien reposé parce que vraiment, même les nerfs de mes yeux là tiraient comme ça. C'était tellement, je me repose, je ne dors pas. Donc hier même toute la journée j'étais couché. Bon, j'étais à l'école, je suis rentré, puis je me suis couché. Ah, je me suis bien reposé. C'est pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis avant-hier. Mais je suis là. TikTok, vous avez combien? 130 personnes. Tapotez, non? Aïe! Donc, chers camarades, frères et sœurs du panafricanisme, je suis Herman le Patriote. Nous allons essayer d'analyser la venue au pouvoir de M. Donald J. Trump. Voilà! C'est pourquoi j'ai collé mon truc là ici. Vous voyez, quand tu votes, on te donne ça là. On te donne ça. J'ai collé ça. On espère qu'il va tenir ses promesses. Mais il y a déjà quelques développements depuis hier. Même actuellement, il est en train de faire un speech concernant l'Iran. Mon gars est pressé aussi, hein? Il est pressé même. Il est en train de faire un speech concernant l'Iran. Il n'a même pas encore pris le bureau ovale, le monsieur baille déjà. Voilà. Donc, ici, les gens disent qu'il est l'ami de Poupou. Bon, Poupou, c'est pas un bon. Ça y dit chose en anglais. Donc, je ne sais pas comment il est. Vlad. Il est l'ami de Vlad. C'est ce que les gens disent ici. Quand tu écoutes même France 24, ou même BFM, tu sens qu'ils sont déçus. Parce que c'est des gens qui soutenaient l'autre côté là. Mais est-ce que vous avez vu sa vidéo qui est devenue virale? Où les gens prient pour lui. Comme je l'avais dit la fois dernière, avant même que le Saint n'arrive. C'est le seul, quand il finit, il dit God bless you. Mais c'est lui qu'on on dit c'est un démon. Même quand je suis venu ici, j'ai raconté ça. Ma famille, la famille camerounaise, qui a été ma famille d'accueil. Parce que quand tu viens ici, hein, tu dois avoir une famille d'accueil pour pouvoir avoir, comment on appelle ça? Quand tu viens, tu dois avoir une famille d'accueil. Et cette famille, je remercie cette famille. Si elle me regarde en cachet, regardez, je remercie cette famille de m'avoir accueilli pendant, on dirait, ces 2 mois, je crois. Oui, 2 mois. Voilà. Troisième mois, on m'a dit que, ah, les parents du monsieur vont venir. Bon, après, j'ai compris que ce n'était pas affaire des parents du monsieur. Les gens se disaient que j'allais caler dans leur maison. Attends, moi, c'est pas comme ça. Je suis un garçon, cher camarade. Voilà, je suis allé dans une autre ville pour aller louer chambre là-bas. Donc, je travaillais, je vis dans une autre ville et je conduis pour aller dans une autre ville, Californie qui est Gaia comme ça là. J'ai dépassé d'autres villes comme ça. On dépasse Irvine. Ceux qui connaissent Californie savent. Jusqu'à je m'en vais à Laguna Hill. Je quitte là-bas jusqu'à je m'en vais vers Costa Mesa là-bas. Non, c'est derrière Costa Mesa, on appelle ça. Garden Grove. C'est là-bas que je vivais. Ceux qui connaissent Californie connaissent ces villes-là. Après, je suis parti vers Fountain Valley. C'est encore derrière. Parce que vers ici, la chambre était trop chère. Mais j'ai fait ça, j'ai kété. Parce qu'il ne faut pas. Il faut pas rester. Voilà. Donc, cette famille-là, vous savez, je suis allé à L.A. L.A. Et à ce moment, c'est Trump qui était président. Donc, ils ont fait les mannequins de Trump. Ça ressemble à Trump même. Et les gens prennent photo à côté de lui. Moi, je suis parti, j'ai pris photo à côté de lui. J'ai eu tous les problèmes du monde. Quand j'ai posté la photo, que cette famille a vu cette photo, j'ai eu tous les problèmes. Tu dis, tu es chrétien, mais tu prends photo à lui là. Que
La dame là, elle dit que moi je peux jamais le saluer. Il dit mais ah, c'est que mais tu, on est chrétien, non? Son affaire de ribaba, tu connais pas. Elle dit elle va jamais serrer la main de Donald Trump. Et c'est là, il dit mais on est chrétien. Même s'il est votre ennemi. Mais la Bible dit priez pour vos ennemis. Donc c'est là que les petits mes attentes ont commencé. Mais en tout cas, on s'est laissé dans de très bonnes conditions. On s'est laissé dans de très bonnes conditions. Mais c'est pour dire que les gens disent que Trump est démon. Mais c'est le seul. Si, d'ailleurs, même parmi eux, tout ça, c'est lui qui a jet d'abord. Il a jet que. Comment il s'appelle là, Obama. Il a jet. Quand on dit jet, ça veut dire l'argent. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le langage ivoirien. Il a l'argent que Obama. Il a l'argent que Biden. Il a l'argent que Hillary. Et c'est le seul. C'est le seul qui se rappelle de Dieu. Au moins dans ses propos-là, il dit Dieu. Même s'il ne va pas à l'église, mais il dit Dieu. Dès qu'il a gagné là. Il a appelé les gens, les évangéliques, ils ont commencé à prier sur lui. La vidéo est devenue virale sur Facebook. Il a vu ça, les gens ont partagé ça partout. Pourquoi eux, ils ne font pas ça? C'est ça qui est la triste réalité. Herman le patriote est toujours dans la vérité. C'est ma première fois de voter. Bon, ma deuxième fois. Ma première fois, Sorogum a fait rébellion. Ils ont tué plus de 100 000 Ivoiriens. Malheureusement, ces Ivoiriens ne savent pas qu'on les a tués. C'est eux qui sont dans le gros calisson de Geneva. Ils sont là de danser Geneva Djaba. Pendant ce temps, il y a les Niabro qui ont des pistolets. Le même pistolet que moi j'ai là, c'est ce qu'un Niabro a à Abidjan là-bas. Un, c'est cher. De deux, c'est plus de 30 coups. C'est plus de 30 coups. Hein? C'est plus de. Le chargeur que lui là, ça peut faire 30 coups. Moi, pour moi, André, ça fait. C'est 14, non? Non, pour moi, ça fait 18. Par exemple, tu charges 9, 9. C'est 9, 9. Donc, ça fait 18 coups. Moi, pour moi. Un Niabro a ça en Côte d'Ivoire. Mais ils sont là, au lieu de prendre ça pour dénoncer ça, pour faire beaucoup de vidéos, pour multiplier les vidéos, pour dénoncer. Et c'est Geneva Djaba qui les intéresse. Je n'ai qu'à voir un Ivoirien venir dans mon inbox, ce qui est même dans tes oreilles là. Donc revenons sur Trump. Donc moi je dis que, moi je ne cache pas mes choses. Ici là, il a gagné plus de 98%. Peut-être c'est moi qui ai fait que c'est devenu 98%. Nous les AR là. Voilà, il a gagné plus de 98%. Attends, ici, c'est le coin le plus peuplé. Le plus... Aïe! Donc, moi, je dis que les gens disent... Moi, ce qu'ils ne comprennent pas, il est détesté par tout le monde entier. Attends, c'est lui au moins qui parle contre la guerre. Moi, je ne sais pas dans quel monde on vit, quoi. Je n'ai pas dit Hillary comme Kamala, elle est mauvaise. Moi, je ne la connais même pas même. Kamala, même, la même. C'est qu'elle est devenue vice-présidente que je l'ai connue. Sinon, je ne la connais pas où. Non, je ne peux pas la juger. Biden aussi, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que les gens, ils ont dirigé notre pays et c'est eux qui dirigent. Jusqu'à près du côté, c'est eux qui dirigent. Ce sont nos dirigeants, point. Mais à part ça, là, moi, je ne le connais pas. Voilà. Mais on dit que Trump, il est mauvais, il n'aime pas les étrangers. Non, je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je ne serai jamais d'accord avec ça. Trump n'aime pas les gens qui immigrent illégalement. C'est très différent. Mais pourquoi le monde d'aujourd'hui aime démontiser. C'est-à-dire rendre quelque chose démoniaque. Démoniatiser. Voilà. Le monde d'aujourd'hui aime démoniatiser ce qui est bon. Et puis on aime sanctifier ce qui n'est pas bon. Mais pourquoi? Mais pourquoi même? Pourquoi même? Je ne comprends pas la partie là. Quelqu'un qui dit que moi, si je viens, je vais annuler la guerre. Les gens meurent. Même si on dit, oh, il va tordre le cou à l'Ukraine. Il n'a qu'à tordre n'importe quel coup. Voilà. Il n'a qu'à tordre n'importe quel coup. Pourvu que ça épargne les vies des soldats ukrainiens et des soldats russes. Moi, je suis pour. Parce que moi, je suis contre toutes les guerres du monde. Je suis contre toutes les guerres du monde. C'est ça qui est la triste réalité. Moi, souvent, même quand je conduis, quand je conduis ma moto ou bien ma voiture, je vois des gens qui sont en bordure de route. Femmes, gars. Un jour, il est parti filmer. Il y a un coin, c'est à 30 minutes de là où je suis, ici. 30 minutes. Parce que c'est après l'université, juste après. C'est là-bas qu'il m'a mangé. Donc, un jour, là, peut-être que c'est à cause de RDS, je n'ai pas filmé. Il n'y a pas qu'on sache, je suis dans quelle université. Parce qu'il y a plein d'universités ici en Californie. Il n'y a pas qu'on sache, je suis dans quelle université. Sinon, il est parti filmer. Les gens qui dorment, ça fait pitié. Elles ont les gros cuits comme ça. Moi, mais il y a eu souvent, il a dit, ça c'est gaspillage. De... Moi, mais celui-là, il a dit, ça là même c'est gaspillage. Et regardez les produits. Regardez. Regardez, il dit,
Souvent aussi, je me dis, mais ceux-là même, ils ont quel problème? Vous parlez bon anglais. Quand tu te promènes, on dit, we are hiring. Hiring, ça veut dire qu'on embauche, on embauche. Allez chercher travail. Moi aussi, je ne comprends pas. Bon, tout est mêlé dans ma tête. Bon, moi, tout est mêlé. Il dit souvent, je conduis quoi? Non? Il dit, je vois comme ça. Il dit, hé, on a des choses même. Il dit, ça, c'est gaspillage. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Melekle avait raison, père à son âme. Le monde qui était le monde, le temps qui était le temps, n'est plus le temps qui est le temps. Pendant que quelqu'un cherche, c'est même corps-là, hein, même corps que Balthazar a grès, là, c'est même corps-là, ça dort dans la rue. Nous, on est ici, on dort seul dans le froid. Vraiment, le monde même est injuste. Non, la vie dans laquelle nous sommes là, c'est injuste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, au lieu de prendre des milliards pour aller donner à Zezinki, mais venez faire sortir la jeune fille là dans Potopoto. Par exemple, je ne peux pas la draguer dans Potopoto. Je ne suis pas fou. Je ne peux pas aller draguer une go dans Potopoto. Puisqu'il ne sait pas ce qu'il a mis là-bas. Il faut la faire sortir de Potopoto d'abord. Même si elle a la même condition sociale, et puis elle ne dort pas là. Nous, on peut l'appeler sur le côté. Mais là où elle dort, ça me décourage déjà. Voilà. Donc, au lieu de prendre les milliards pour aller donner à Zezinki, construisez ou bien, je ne sais pas, allez-y les attraper en bris, lavez-les en bris. Vous pouvez faire. Moi, je suis président, j'ai fait un tel programme. Si moi, je suis président, surtout un pays riche comme les États-Unis, là, on décaisse. Mais regardez l'argent. Est-ce que vous savez combien. Moi, j'ai cherché ça sur Internet. C'est combien ils ont donné à Zezinki même, ceux-là. Mais c'est des milliards de dollars. Un seul million, ça change moi ma vie. Tu m'as donné un, il n'y en a pas dit deux. Un million de dollars. Moi, vraiment, le patriote, il a fait quoi à l'école encore? Moi, je peux développer avec un million de dollars et puis je ne suis plus jamais riche. Eh, pardon, je ne suis plus jamais pauvre. Il dit bien un million. Un seulement. Les gens prennent des milliards de dollars pour aller donner à Zezinki. Entre temps, sur le terrain, mais c'est eux qui perdent. La Russie est en train de bamougou comme ça, les Ukrainiens. Russie est en train de prendre des villes. Odessa, Adesso, Adoissa, Papassa. Eux, ils prennent toutes les villes. Et puis, Zezinki met dans son compte. Pouf, il a créé un Duba truc. Hein. Il met ça dedans, puis il ferme. Si c'est gâté le jour, il pend. Vous voyez, il connaît. Il n'est plus président de la République de l'Ukraine. Hein. Il est président par défaut. Alors, donc, moi, Herman, le patriote. Quel que soit le faux nom qu'ils ont donné, quel que soit le faux nom qu'ils ont donné à tonton Trump, moi c'est lui qui a voté. Ils n'ont qu'à m'envoyer où ils veulent. Ils n'ont pas dit qu'on est un pays de démocratie. Ils n'ont pas dit qu'on est un pays de liberté d'expression. Moi c'est lui qui a voté. Voilà. Et puis je ne l'ai jamais caché. Moi j'ai analysé. Les autres là, quand ils font leur meeting là, surtout la femme là, quand elle finit là, elle dit même pas que Dieu vous bénisse. Elle n'a pas encore entendu ça. Trump, quand il finit comme ça, il dit « Thank you, God bless you, God bless you ». Et puis, il danse un peu. Il danse, un homme qui est milliardaire, multimilliardaire. S'il n'a rien, il a 7 milliards de dollars. Son avion seulement, là, avion qu'il a là, ça peut le nourrir pendant au moins 10 ans. Sans travailler. Il n'a pas dit ses immeubles, tout ça là, son avion seulement. Donc, ça veut dire, je ne sais pas. Le gars, il est patriote et puis on l'en veut. Il y a même des gens qui ont fait des commentaires, les tocards de RDN. Ils ont fait commentaire pour dire, tu dis tu es patriote et puis tu soutiens. Et tu soutiens Trump. Mais tous ceux qui ont voté pour lui, là, il y a eu plus de 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Parmi les 70 millions, là, il y a au moins 7 millions d'immigrés. C'est-à-dire les gens comme nous, là, on est 7 millions et puis on a voté. Il faut bien te renseigner. Hein. Parmi ceux qui l'ont voté, là, moi, mais c'est moi, il parle trop. C'est encore disponible même sur Google. Tu te rends sur Google, il faut mettre élection. Ils vont te donner tous les détails. Tout, même jusqu'à présent, il continue de gagner. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire les décomptes. Hein. C'est parce qu'il a dépassé les 270 qu'il les a proclamés. Sinon, il n'a pas encore. Les décomptes continuent encore. Il gagne encore, il s'en seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Même les Latinos, les Mexicains et autres là. Attends, lui, il va faire déportation. Hein, mais les Mexicains ont voté pour lui. Vous pensez que les gens sont fous? Mais les gens se disent, mais on préfère même ce gars-là que d'aller l'autre côté. On préfère ce gars-là qui est allé de l'autre côté. C'est ça qui est la vérité. Le gars, il est patriote. Voilà. Et puis, on dit non. Les gens critiquent le MAGA. On dit, quand il dit « Make America Great Again », ça veut dire qu'il est égocentriste. Il pense seulement à lui-même. Mais dans la vie, là, qui ne pense pas à lui, d'abord? Dans la vie, là, qui ne pense pas à lui? On a quand même dit la vérité. Dans la vie où on est là, qui ne pense pas à ses testicules avant d'agir? Tout le monde pense à lui. Il pense à l'Afrique, à l'Amérique d'abord. Et où est-ce que le problème?
C'est pourquoi un jour, il leur a dit, si vous n'aimez pas, si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, il faut quitter. Il a dit ça un jour. Il dit, celui qui n'aime pas là, celui qui, Atmel était président, il dit, celui qui n'aime pas la manière dont je dirige, tu quittes, tu t'en rends où tu es quitté. C'est pas par là. Dis à quelqu'un, va chez toi là, c'est pas par là, ben. C'est de ça qu'il s'agit. On dit non. L'autre là, elle est immigrée, elle est noire. Moi, je ne sais pas si elle est noire. Hein. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit que je suis noire. Les gens pensent que noire là, ça fait de couleur de peau. Moi, je la considère même pas comme noire. Je ne sais pas si elle est noire. Et puis, je m'en bats le couille de qui est noire, qui n'est pas noire. On regarde l'idéologie. Ou bien on est dans la démocratie, ou bien on n'est pas dans la démocratie. Si on veut voter parce qu'elle est noire, c'est que ce n'est plus de démocratie. C'est clanicratie. Clanicratie. Moi, je ne suis pas dans la clanicratie. Le parti politique s'appelle démocrate, non? Donc, tout le monde vote démocratiquement. Ce n'est pas eux qui nous fatiguent. Ce n'est pas eux qui nous fatiguent partout en disant démocratie, démocratie. Le pauvre Gbagbo, ils ont Bamougou ici, qui était président des États-Unis. Ce n'est pas un noir. Ce n'est pas un noir. Les gens qui ont les trucs partout dans le monde, vous savez que ceux-là, ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissaient la vérité, mais Draman et les gars. Draman et les gars. Ils ont fermé les yeux sur le pauvre Gbagbo. La vérité se sait. On connaît la vérité, chers camarades. Alors, c'est pourquoi je fais ce direct. Pour vous dire que... Parce que le 5 même, j'ai dormi à 3 heures du matin. C'est ce qui a fait que mes yeux étaient rouges, on dirait. De maintenant, je crois que mes yeux sont un peu bons. Hein? Sur TikTok, mais je vois ça clair comme ça. Hein? YouTube, là, bon. Je ne vois pas bien. Oui, c'est bon, j'ai bien dormi. Hein? Puis j'ai dormi encore. Quand j'ai fini encore, là, j'ai même me couché encore. Voilà, après les examens, c'est jusqu'en le 20 novembre là-bas. Il y a encore d'autres examens qui viennent. Donc, voici un peu, je voulais vous dire un peu, non seulement son élection va changer les choses dans le monde. Ça, tout ce que j'ai fait là, nous sommes à combien? 17 minutes. Dans les 17 minutes, tout ce que j'ai dit là, ça c'est moi-même. C'est-à-dire, je suis en train de justifier pourquoi je l'ai pris. Pourquoi je l'ai voté. Et pourquoi je suis en jaillé. Voilà. Pourquoi je suis en jaillé. C'est pour ça que j'ai dit un peu tout ce que j'ai dit là. Maintenant, quand on rentre maintenant dans la géopolitique, il a promis beaucoup de choses. Il a promis beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement déportation. C'est vrai que déportation, ça n'arrange pas certaines personnes. Mais moi, j'ai dit aux gens, même si c'était moi, je n'aurais pas accepté qu'on immigre dans mon pays sans remplir les conditions. Quelqu'un peut venir chez toi, taper la porte. Oh, tu ne l'as pas invité, ça va te plaire? Ça ne te plaira pas. Ça ne te plaira pas. Il faut taper avant de rentrer. Si tu défonces, ça va énerver. Donc, quand il dit aux gens qu'il va faire déportation, ce n'est pas moi qui va déporter. Ce n'est pas celui qui a les papiers qui va déporter. Il dit qu'il va déporter ceux qui n'ont pas les papiers. Est-ce que ça là, c'est démoniaque ou mais c'est pas démoniaque? Puisque c'est sur ça que les gens les critiquent. Si tu n'as pas papier, il faut suivre les normes pour avoir papier. C'est quoi on fait pour avoir papier là? Il faut faire pour avoir papier aussi. Ou bien? Parce que ceux qui n'ont pas papier là, eux, ils travaillent under table. Under table, ça veut dire qu'on les paye main à main. On les paye d'une manière bizarre. Et donc, par rapport à ça, ceux maintenant qui ont les papiers, beaucoup même peut-être ne gagnent pas de travail. C'est ce qu'on appelle Amérique. Si moi je suis président de la Côte d'Ivoire, mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Vous pensez qu'on va faire quoi? Ibrahim Traoré, c'est qui il fait là? Il fait ça au Mali. Ou bien il fait ça au Niger. Non, il fait ça. Il est dans l'AES, mais il fait ça au Burkina. Les Katakata là, il a envoyé combien au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire? Jamukoko. Puisque son pays même n'est pas encore sorti d'affaires. Donc on ne peut pas caractériser quelqu'un de démoniaque parce que tu as ton petit frère qui n'a pas les papiers. Tu as ta femme qui n'a pas... Si toi, tu as papier, ta femme n'a pas papier, c'est toi qui ne veux pas lui donner papier. Ben, si toi, tu as papier, et puis ta femme n'a pas papier, il faut lui donner papier. Tu seras ami de Trump. Voilà, c'est ça qui est la triste réalité. Mais vous faites venir tout le monde, les gens n'ont pas papier, et puis on est étouffé. Et puis c'est chaud. Et puis, mais moi, j'ai remarqué, mais moi-même, personnellement, je n'ai pas chance à ceux-là. Voilà. Moi, je n'ai pas chance à eux. Parce que quand Trump était là, nous, on a vu. Nous, on a vu, moi, j'ai vu comme ça, les choses bougeaient comme ça. C'est-à-dire, les choses à tous les niveaux, à tous les niveaux. Les petites filles étaient fins en désordre. Jusqu'à même, il y a la balade du choix.
Depuis que mon gars est venu là, depuis que ils sont venus là, c'est bouclé sur moi. Il n'est pas chance à eux. Moi, j'ai remarqué ça. Hein. J'ai remarqué ça même, Gigi. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Clair. Même, il dit, on est dans Covid. Et puis, ça bougeait pour moi comme ça. Ça bouge comme ça. Les stimuli check. C'est pas ce Trump qui était au pouvoir. On nous envoie un stimuli check. 1 200 $, 800 $, 2 500 $. Souvent même, tu ouvres ton compte, même c'est gonflé. Tu regardes, on dit US government, stimuli check. Tu sais même pas c'est par rapport à quoi. On t'a déjà envoyé. Les gens envoyaient en désordre. Depuis sur les autres, on a eu combien de stimuli check? C'est électronique check, on a eu. Électricité check. Électricité check. Jusqu'à moi qui n'aime pas utiliser les services gratuits. Il y a des services gratuits ici. Ma carte est venue, hein, c'est venu hier. On appelle ça EBT. Electronic Benefit, quelque chose comme ça. Ça dit ça là, normalement, ça là, on donne ça aux pauvres. Tu vois, non? Les gens qui s'en sortent pas là, c'est à eux qu'on donne ça. J'ai appliqué, ben ça va pas. Sinon, moi, mais il dit même que je ne voulais pas utiliser ce service là. Je veux pas. Quand il voit les gens dans les rues là, il dit non. Je préfère me débrouiller vidéo, faire vidéo, vendre en ligne, me débrouiller pour manger. Il a laissé la place là, il va donner aux autres. Mais mon cher, les Mongols là sont là, 4 ans, ils ne tiennent pas. C'est chaud, on vend t-shirt, ça ne sort pas. Ah! Les paquets disparaissent en route. On nous manque de respect à cause des t-shirts. Les gens nous appellent à 4 même. Avant-hier, quelqu'un m'a appelé à 2h du matin. Il dit, mais mon frère, je dors. Lui, il continue de parler. Ça dit, je dors là, ça ne l'intéresse pas. Hein. C'est que lui veut me dire là, c'est ça qui l'intéresse. Moi, il ne comprend pas le noir, quoi. Quelqu'un est en train de donner son problème. Il dit, mais est-ce que tu peux me rappeler demain? Oui, je sais, mais je sais, oui, je sais que je peux t'appeler demain, mais tu sais quoi? Ce que Gbagbo connaît fait là, ce que t'as. Et puis, ils sont en train de critiquer les gens. Hein. Moi, je suis en train de chercher sommeil, mes yeux sont rouges. Jusqu'à même, je suis devenu silencieux. Il dit, allô? Allô? Il dit, je suis là. Ah, tu es là. Tu écoutes, non? Ah, il fait comme Tomato. Il fait même chose comme Tomato. Tomato, son ami, la Jagaï, on l'a giflé, c'est enflé. Lui, quitte là-bas, il dit quitte là, c'est pas le plus important. C'est mon problème là qui est là, c'est que ça. Il dit, tu es réveillé. Ah, c'est la nouvelle qui est là. Hein. Donc, tu sais, la fille là, j'aime beaucoup ça. Tu vois, lui, il s'en fout des problèmes des autres. C'est comme ça l'homme noir est. Quand vous voyez les gens qui traduisent leur comportement dans les dessins animés, dans les films, ça veut dire que c'est comme ça qu'ils se comportent. L'homme il s'en fout des problèmes que tu as. Lui, ce qu'il veut te dire, là, c'est ça qu'il veut te dire. Vous voyez, tout ça, là, c'est chaud. Sinon, moi, personne n'avait mon numéro. Moi, j'ai commencé à faire vidéo depuis 2019. Qui avait mon numéro? C'est parce que c'est chaud que j'ai mis mon numéro sur la toile. Pensant que les gens vont m'appeler pour dire, hey, mon frère Yako, tu es célibataire. Hey, le froid de ça. Voilà, Dra, tu vas te couvrir. Ou bien quelqu'un va dire, ah, moi je suis congolaise, ou bien ici, je suis malienne, je suis célibataire, est-ce qu'on peut se croiser? Le numéro, on l'a donné pour profiter. Mais depuis que j'ai donné mon numéro, là, les gens me parlent mal dedans. Les gens m'appellent pour me parler mal. Tout cela parce que c'est chaud. Les Mongols sont baillis. Ils n'ont qu'à quitter là. Voilà, ils n'ont qu'à quitter là. Le numéro, bah, que l'homme donne, vous pensez que dans la vie, là, même là, tout ce qu'on va faire là, c'est cadeau, quoi. Tout est calculé. Tout est calculé. Mais quand on t'appelle, ah mon frère, un jour tu as dit que tu étais pasteur. Ah, ma femme n'accouche pas. Oh. Dès que tu raccroches là, il y a une qui appelle. Ah, eh, mon frère, c'est comment? Mais il dit, oh, moi il veut d'arriver aux États-Unis. On fait comment pour aller à l'école? C'est moi qui t'envoie à l'école. Tu vas durer là. Toi, tu viens d'un pays. Toi, tu as demandé. Mais Goulou Goulou est là pourquoi? Faut taper sur Google. Faut aller voir counselor. Mais où tu vis là? Il n'y a pas un homme là-bas qui va te donner un conseil? Je suis sûr que quand tu viens d'arriver, tu ne vis pas dans ta propre maison. Tu n'as pas les moyens de ça. Donc forcément, tu vis chez quelqu'un. Il faut demander à la personne. Vous fatiguez les gens pour rien. Le numéro, on l'a donné même. Je n'ai jamais eu bénéfice dedans. Si ce n'est pas Judith, la béninoise. C'est Judith, la béninoise, qui m'a un jour envoyé un SMS. Elle dit, grand frère, j'ai écouté ta vidéo là. Ah, tu as dit que tu traverses un problème. Voilà un 200 $. C'est elle seule. Mais jusqu'à ce que je quitte sur la terre, je ne vais pas oublier son nom. Parce que quand ça chauffait, c'est elle seule. Toutes les mamans là. Ah, toi, quand tu parles là, tu traînes trop. C'est à cause de eux là, il ne fait plus beaucoup de directs. Parce que les gens pensent que dès que tu vis en même temps, ça dit qu'il faut pomper en même temps pour jouir. Mais il y a les préliminaires.
vous regardez le journal télévisé, il y a générique. Et puis la terre la tourne. Même les préenregistrés que j'ai fait là, un petit générique, c'est merde. Les gens se sont plaints. J'ai arrêté de faire les génériques. Vous voyez le truc qui passe et puis ça passe et puis la musique en bas là. Les gens disent encore que ça là, ça prend le temps. Les gens se sont plaints pour ça encore. Maintenant, j'en ai mis les génériques. Je ne sais plus comment j'ai fait vidéo. J'ai fait ça en 2 secondes pour les donner. Adama, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est à 25 minutes. Alors, je disais que on va attendre, puisqu'il a fait beaucoup de promesses. Nous allons attendre ce que le président Donald Trump va faire pour le monde. Les gens aussi ont publié pour dire, toi là, lui là, il n'est pas bon. Il dit que l'Afrique est un continent de merde. Mais il a tort, mais il a raison. Moi, mais je suis africain. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus africain que moi. Parmi vous tous qui me regardez là, il y a à peu près combien? Quand on met tout ensemble, ça arrive vers les 1000 personnes. Parmi vous tous qui êtes en ligne là, il y a combien qui ont la carte d'Afrique dans leur salon, dans leur maison? Peut-être c'est moi seul. Vous tous là, peut-être c'est moi seul. Il dit dans ce direct là, hein, parmi nous tous là, c'est moi seul qui ai la carte d'Afrique. Ça y est là, matin, midi, soir. Vous voyez moi, ça y est là, 4. Et puis il y a un encore ici au mur ici. Voilà un ici encore. Voilà une carte encore ici au mur là. Donc vous n'êtes pas plus panafricain que les gens. Oh, lui là, il a dit que l'Afrique était un continent de merde. Mais il a raison. Il a raison. Un pays, prends la Côte d'Ivoire par exemple, un pays où rien ne va, on voit des nègres qui s'en vont courir à cause de tunnels, pendant qu'eux-mêmes, ils ne mangent pas deux fois, trois fois par jour. C'est de la merde, il n'y a pas autre chose. Mais quand Donald Trump dit que l'Afrique est un continent de merde, là, il n'a pas tort. Regardez l'histoire de Balthazar. À ce moment où il n'était pas là, le mois de novembre et d'octobre est le mois où les Africains ont beaucoup regardé pour nous. Parce que regardez les vidéos de lui là, mais c'est la pornographie. Il y a même d'autres même qui font vidéo montée, c'est-à-dire il fait semblant comme si sa femme regarde ça. Il a vu un gars là, c'est-à-dire ils se sont entendus. Quand moi je regarde une vidéo, je sais si c'est vrai ou si c'est mise en scène. C'est-à-dire la femme elle est couchée dans le salon et puis elle regarde. Et puis le Balthazar grain, il mougou même et puis elle regarde. Et son mari quitte là-bas, il a filmé puis il fait comme ça. Ah j'ai attrapé ma femme, elle regarde la vidéo de Balthazar et puis elle rit. Quand je vois, je sais que c'est mise en scène. C'est-à-dire, Africain fait mise en scène dans porno des gens. C'est pas de la merde. Nudité des gens, vous êtes là, vous faites la publicité. Ils l'ont dessiné. Il est devenu, quand tu tapes Balthazar, Facebook met popular now. On dit Balthazar. Avant, c'était Mukasa. Maintenant, c'est Balthazar. C'est de la merde. Donald Trump a raison. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre pour dire que non, il a dit que l'Afrique était continent de merde, donc il ne faut pas le soutenir. Mais il a raison. Il a raison. Quand on voit un Africain qui a fait un hélicoptère en bambou, en bois, en tôle, les gens se moquent de lui. Au lieu de l'encourager, au lieu d'acheter des soudures, d'acheter des machines pour l'aider à bien tailler les bords de son hélicoptère, pour l'aider à bien faire le travail de son ingéniosité, les gens se moquent de lui. L'Africain qui se moque d'un Africain parce qu'il a fait quelque chose qui ne ressemble pas aux choses des Blancs. Mais quand Blanc fabrique hélicoptère, puis c'est joli là. Mais c'est parce qu'ils ont tout le matériel nécessaire. Le monsieur n'a même pas mato. Il fabrique un avion qui bouge. Ça veut dire que c'est des fils qu'il a soudés. C'est ce qu'on appelle l'ingéniosité. Combien d'Africains partagent et encouragent nos frères qu'ils essaient de fabriquer? C'est pour se moquer de lui. Mais quand c'est un 16 steps, là, ils sont forts. C'est eux qui dessinent. Ibrahim Traoré, là, il a été dessiné par combien de personnes? Si c'est trop, c'est 5 personnes qui l'ont dessiné. Faut taper Ibrahim Traoré sur Google. Faut mettre portrait. Tu vas voir que c'est 3 ou 5 personnes qui ont fait son portrait, qui l'ont dessiné. Assimi Gotem, on dirait c'est 2 personnes. Mais Djeneba Djaba, tout Abidjan, tout Côte d'Ivoire, tout Afrique. Balthazar. Attends, c'est lui qui est là. Tout Afrique a pris ça. Donc, Donald Trump a raison quand il dit que l'Afrique est un continent de merde. C'est de la merde même. Je confirme ça même pour mettre dessus. Voilà. Donc, ça aussi, c'est vain. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je le préfère. Même si c'est à refaire, je vais faire. Pion. Je le soutiens. Quelqu'un qui dit « Make America great again », où est-ce qu'il est mauvais dedans? Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais dedans.
Quelqu'un qui dit que si je viens, je vais arrêter la guerre de l'Ukraine ou même de quoi? Où est-ce qu'il est mauvais? De tous les présidents américains depuis la guerre de Corée, quel est le président qui est allé mettre ses pieds en Corée du Nord? C'est Donald Trump. Un homme de paix comme ça. Un homme de paix, c'est vrai qu'il a fait clash à lui. Il a fait un mois, ils ont fait clash. Mais malgré ça, il est parti le voir. Il est parti. Et puis il a sauté. Il a demandé permission au président nord-coréen, Kim Jong. Il dit, est-ce que je peux sauter? Et puis il dit, il faut sauter. Et puis il a sauté. Aucun président n'a fait. Barack Obama, Obama, Barack, Barack, tous ceux-là, ils n'ont jamais fait ça. Ils sont pleins là-bas, ils ne cherchent pas la paix. C'est le seul qui est parti en Corée du Nord. Il a traversé le truc là, de démarcation là. Il a traversé. Il allait s'asseoir avec Kim Jong. Il dit, je l'aime. Voilà, parce qu'actuellement, le type d'arme qui existe ne permet pas qu'il y ait la guerre. Si ça déclenche, nous tous, on devient poussière. Il faut mettre ça dans votre tête. Hein. Il faut mettre ça dans votre tête. Ce n'est plus avant, où on dit non, tel pays a 1000 hélicoptères, tel pays a 2000 hélicoptères. Ça, là, ça prend plus. Hein. Ça prend plus. Si c'est en Afrique, on peut comparer les pays par le nombre de obus, nombre d'hélicoptères, nombre de ça, on peut comparer. Mais quand on dit international, quand on dit Europe, Occident, là, c'est plus affaire de le nombre d'hélicoptères, le nombre d'avions. Hein. C'est une histoire de boum. Quand on fait boum, tout Paris là, est devenu poto-poto. C'est dans ça qu'on est, vous pensez que c'est du jeu. Moi, je n'ai pas encore de femme. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai même pas encore expérimenté la vie même. T'as dit que tu quittes au travail, ton enfant s'amuse là-bas, ta femme prépare une petite culotte comme ça. Hé, hey, nyawa! Ça dit quand le boulot finit là, tu es pressé pour rentrer à la maison. On n'a pas encore expérimenté ça. Kamala là, elle a fini ça. Elle a expérimenté jusqu'à quand même tu la vois, mais tu sais qu'elle a expérimenté ça. C'est des vieillards. Ils ont profité de leur vie. Ils ont mangé tout. Ils ont balthazaïsé toutes sortes de trucs. Ils sont rassasiés de leur vie. Vous pensez que celle-là devenir pauvre comme elle ne peut plus devenir pauvre. Il y a longtemps, elle est riche. Il y a longtemps, elle est bien. Femme qui était magistrate de Californie, c'est elle qui jugeait les gens. Elle était procureure générale de toute Californie. Jusqu'à sénatrice. Jusqu'à vice-présidente. Et puis, ils sont là. On va soutenir l'Ukraine. On va soutenir. Moi, ils ne te voient pas. On va soutenir quelle Ukraine? Et si Poutine est fâché, puis nous bombarde, on fait comment? On fait comment? Vous l'énervez. Jusqu'à... Vous êtes dans ces testicules comme ça. Le jour, il est fâché, puis il prend Satan 3. Et puis, il met douille. On fait comment? Vous allez vous cacher dans le bunker. Serment le patriote. C'est nous, là, on va mourir. Par conséquent, moi, je préfère voter la personne qui va calmer les tensions. On dit non, il va faire l'injustice contre l'Ukraine. Il va forcer Zelensky à accepter certaines choses. Ça, c'est entre eux là-bas, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, moi, je vais vivre. S'il veut, il a qu'à tordre le cou de Zelensky. S'il veut, il a qu'à donner beaucoup de villes ukrainiennes à la Russie. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon niveau. Là, je suis président. Ce qu'il va faire pour que la paix vienne là, ce n'est pas ça que moi, il regarde. C'est ce que moi je vais gagner par rapport à ce qu'il va faire là. C'est ça qui me regarde. Dans la vie, quand le tonnerre gronde, tout le monde attrape sa tête. De la manière, il va s'y prendre pour permettre à ce que la guerre s'arrête là. Ça, moi, je ne serai pas dans la réunion. Quand ils vont faire conférence d'appel, là, comment ils seraient là? Parce qu'ils vont faire conférence. C'est qu'on a regardé dans Jack Bauer là. C'est la même chose qu'ils vont faire. Ils vont faire conférence. Le président Poutine est là. Lui-même, il est là. Le président, et puis, ils vont parler. Ce qui se passe là-bas là, c'est le secret des secrets. Voilà, moi je ne veux pas que Poutine on fasse boum. Quand on fait boum là, c'est nous, on va mourir, on va partir dans bunker. Ils vont aller dans bunker. Tous les riches américains, vous voyez là, en bas de leur maison là, c'est des bunkers qui sont là-bas. Et vous savez ça même. Ce n'est pas seulement les présidents. Hein? Même les sénateurs, les maires, les ministres, tous ceux que vous voyez à la Maison Blanche là. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer à un jeu dangereux. Ils ont des bunkers chez eux à la maison. Ils ont des lits quand tu dors là. C'est-à-dire les lits, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo comme ça. Il y a des lits, quand tu dors et puis on bombarde la maison où tu es, ça se renferme sur lui. Et puis ça devient comme frigidaire, solide comme ça. Et en bas là, il y a l'eau, il y a nourriture, il y a oxygène. Ils ont tout là-bas, en bas. C'est-à-dire c'est des trucs qu'ils ont implantés dans les maisons. Les gens ont ça.
Les gens ont ça. C'est de ça qu'il est, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, vous pensez quoi même? Chacun pense à lui. Hein? Moi, je suis très content. Je suis très content qu'il ait gagné. Voilà, je suis très content même. Malheureusement, c'est son dernier mandat. Il ne peut plus se représenter. Voilà, donc moi aussi, je ne vote pas. D'ici 2000, la prochaine élection, c'est en 2029. Voilà. En 2029, là, je n'ai pas voté. Hier, regardez les deux. Voilà. Mais là, si démocrate est venu, qu'ils ont bien dirigé, je les vote. Si je suis bailli à eux encore, je vote lui qui va devenir républicain. Voilà. C'est comme ça. Donc, voici un peu la vidéo que je voulais faire. Voilà. Si vous avez des commentaires, vous pouvez mettre les commentaires. Mais c'était le show. Puisque depuis qu'il a été élu, je n'ai pas fait de direct, je n'ai pas parlé. La dernière vidéo où j'ai parlé de là, c'était le 3. Le 3 novembre. Donc l'élection n'était pas encore finie. Voilà, ça, on ne compte pas ça. Voici ma vidéo concernant mon point de vue sur l'élection de Donald J. Trump. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont posé les questions. Le t-shirt, je vois vos commentaires, mais je voulais quand même finir avec mon show. Maintenant, je crois que la tension a baissé. Donc, vous pouvez poser vos questions. Oui, le t-shirt, il est là. Pause publicitaire. Voilà ça ici. Voilà, vous voyez, non, le coup de poing. C'est balèze comme ça. Voilà, il y a déjà plein de personnes qui ont commandé. Celui qui est intéressé, voilà le t-shirt. C'est zo comme ça. Oh, le t-shirt est joli, hein. Il dit, quand tu vois vis-à-vis, là, c'est joli même. Voilà ça. Donc, voilà, c'est disponible. OK? Vous allez sur le site. Vous allez voir ça là-bas. Voilà, c'est disponible. Nous avons encore plein. Il y en a encore dans le carton. Et voilà, merci à toutes les personnes qui ont commandé le t-shirt. Voilà. Alors, c'est 18 dollars, donc 17 euros. Voilà, ça y est sur le site là. Vous connaissez mon site, non? lepatriote.bigcartel.com. Ou bien, envoyez-moi un SMS, je vais vous envoyer le lien. Voilà, mes numéros sont sur toutes mes plateformes. TikTok, mon numéro. Merci pour la fleur, ma soeur, mon frère. Roméo, merci beaucoup pour le présent. Depuis là, c'est toi celui qui m'a donné un petit brin-brin. TikTok aussi, vous êtes à 20, hein? Donald Trump a raison. Parce que quand c'est Nicky Paul, vous mettez les fleurs là-bas. Quand quelqu'un... C'est le discours que je tiens là. Avec ce que Nicky Paul fait là, qu'est-ce qui peut sauver le monde et l'Afrique? Ou vous regardez grosses fesses et puis vous vous masturbez là. Et puis ici, on parle d'avenir de nos petits-enfants et nous-mêmes notre avenir. Bombe nucléaire là, vous pensez amusement même. Demandez aux gens qui vivent à Nagasaki et puis à Hiroshima. Ils vont vous dire. Allez-y, demandez aux Japonais. Ils vont vous dire ce qu'il y a dedans. Ça traverse les générations. Les enfants qui naissent là, ils naissent de manière déformée. Vous pensez à l'amusement? L'air là, on ne peut pas respirer. On appelle ça les... Comment on appelle ça là? Quand bombe là a fini de s'exploser là, l'air là, c'est gâté. Il y a un truc là, radiation, je crois bien. Il y a aussi les radiations qui vont avec. Vous pensez à l'amusement? Hein? Quand nous, on parle d'un sujet fort comme ça là, il n'y a même pas quelqu'un qui va mettre petite fleur. Mais quand c'est Nicky Paul, les petites filles gâtées là, on dirait rivière là, les petites filles de 18 ans même, on ne peut même pas les attraper. On peut même, tout ce qui est jaune là, c'est leur visage. Petite fille de 20 ans, actuellement là, surtout les petites filles là, tout ce qui est jaune sur elle, c'est son visage. Tout le reste là, c'est gâté. Ils ont tellement tripoté ça, c'est gâté même, c'est waro. C'est kodjougoulial. C'est ça que vous partez regarder pour prendre plaisir encore. Adama. Depuis tu regardes les trucs comme ça t'a donné quoi même? Faut me dire mon frère. Depuis tu regardes les Nicky Paul, les grosses fesses, les jabas. Merci pour le chapeau mon frère, Roméo. Ça vous a donné quoi? Rien. Moi, quelque chose qui ne me donne rien, je ne suis pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez sur Le Patriote. Voilà, le patriote. Voilà, ça a sorti comme ça. OK? Voilà le t-shirt ici. Voilà. J'ai mis ça dans le corps d'un Kodjougou. C'est Photoshop. Voilà. Le gars n'a pas porté. C'est moi, mais j'ai mis ça dedans. Mais bon, voilà. J'ai coupé le visage. OK? Voilà. Désolé pour les tatouages. Moi, mais il n'aime pas tatouage. Mais bon.
C'est ce que l'application me donne la possibilité de faire. L'application te donne le corps où tu peux faire porter le t-shirt. Voilà. Donc, vous commandez. Le t-shirt, c'est 18$, comme je l'ai dit. 18$, donc en euros, ça va être 16€, un truc comme ça. Voilà, nous avons toutes les tailles. OK? Voilà. Question. Il n'y a pas question? D'après dessin animé. S'il n'y a pas question, bonne question. Lui-même, il est devenu quoi même? Ça fait plus de 3 ans, je n'ai même plus regardé une seule de ses vidéos. Dessin animé. Qui le connaît? C'est un gars, il est grand de taille comme ça, balèze là. Il a pan, les rebelles l'ont fait pan. Lui et puis Johnny Pacheco, tiens, les rebelles les ont tégué. Ouais, la guerre là, c'était sorcellerie même. Il a pan. Attends, il est en France là-bas, à Dama. Babou est rentré même, on ne sait même pas quand on va rentrer. Eh, combat, on est rentré dedans là même là, souvent ça fait regretter. Hein. Bah, ton patron rentre et puis toi, tu ne peux pas rentrer. À Dama. Ce qui arrive à Steve Biko là, qui va rentrer encore, tu vois là-bas. On est tous peints ici, pour longtemps. Tant que Dama est au pouvoir, là, nous tous on est ici. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on est fou? Il y a des gens qui disent que non, il faut rentrer. Toi, tu es américain. On ne peut pas te toucher. Toi, dagne. Ils vont me frapper d'abord. Toi, tu connais ceux-là. C'est les barbares. Hein? Ils s'en foutent si tu es américain. On te tègue d'abord. Et puis, même après, maintenant, tu as parti à l'ambassade, tu as fait truc, mais ils t'ont déjà frappé. Ils t'ont déjà frappé. Ils vont te meloter pour montrer photo. Adama, ici, là, je mange placali. Je mange placali. Je mange igname, je mange acheke. Tout ce que je dis là, c'est encore dans mon frigo. Hein. Je peux, tout à l'heure, là, je peux vous montrer placali, igname, acheke. Tout ça, ça est là. Qu'est-ce qui me manque? C'est garba que je n'ai pas encore mangé parce que je ne sais pas comment on fait le poisson. De comment on fait pour que le poisson là, soit même chose comme pipi de Aoussa là. C'est pipi de Aoussa. Ben, on a grandi avec ça, donc le goût est bon. Il faut remercier les Nigériens. C'est eux qui nous nourrissent. Vous, les RDR qui n'aimez pas. Le Niger, là, c'est les Nigériens qui pissent sur poisson. Et puis vous mangez, puis vous grossissez, on dirait des porcs, là. C'est les Nigériens. Il faut les respecter. Les gens qui vendent garba, là, même garba d'Ivoirien, tu manges, c'est pas doux dans ta bouche. Quand Ivoirien fait garba, puis tu manges, c'est pas doux. Wallahi. Mais quand Nigérien fait, quand Aoussa fait, oh, il a pas de desservir, hein, et puis il est sur son visage. Il fait quoi? Et puis il met sa main dedans, puis, oh, mon frère, c'est ça qui fait la douce latique. C'est ça qui fait le goût. Vous êtes là, AES, AES, vous nous critiquez. Mais parmi l'AES là, c'est nous on fait garba, on chie dessus la nuit, on mélange, on pisse dessus et puis vous mangez. Mais qui ne sait pas qu'à Abidjan là, les gens pissent dans le poisson là. C'est ce que les marabouts leur disent. Mais nous tous on sait et puis on mange. Moi j'ai mangé garba jusqu'à la dernière minute avant de venir ici. On mange ça mon frère. L'huile là, c'est noir. Ils ont chauffé. Est-ce que vous savez que l'huile, on ne chauffe pas l'huile plus de 2 fois. L'huile, huile d'inor là, on ne chauffe pas ça plus de 2 fois. C'est-à-dire quand tu as grillé, et puis tu as grillé encore, tu dois jeter. Vous voyez, ce qui vient là, ce n'est plus huile. Ce qui vient là, c'est comme huile de moteur de voiture. Quand tu mets dedans là, tu vois la couleur, non? Ceux qui aiment, ceux qui... Un garçon qui ne sait pas réparer sa voiture, c'est un woubi. Moi, je connais un ami ici, un ami camerounais. Et batterie est déchargée, il va aller à la réparation. Pneu est dégonflé, il va aller à la réparation. Mais c'est quoi ça là? Il faut aller dans mon magasin, tu vas voir. Tu vas penser que j'ai un chez moi, ça fait 40 ans. J'ai tout dedans, tout. Regardez actuellement, là, je suis en train de charger mon truc qui est là. Hein? Je vais vous montrer. Ça là. Voilà, c'est déchargé, je suis en train de charger ça. Ça là, c'est quand... En cours de route, ta voiture ne démarre pas, batterie est morte. Tu brins ça là, ça chauffe la batterie, tu démarres, tu es parti. On a ça. Maintenant, ça là, lui, il charge la batterie. Lui là, il charge batterie à la maison. Voilà. Ça dit, lui, il est différent de l'autre. L'autre, il te permet de démarrer la batterie. Lui là, il te charge la batterie à la maison. Donc, actuellement là, Herman le Patriote a un petit problème. Mon alternateur est waro. Code du goût d'alternateur. Où il fait froid là, c'est là, alternateur mort. Vous voyez, il n'y a pas l'argent pour acheter alternateur. Est-ce que vous connaissez alternateur même? Voilà. Il n'y a pas l'argent. Donc, batterie là, j'ai enlevé dans le camion là. Voilà ça ici. Voilà ça ici. C'est lourd, hein? Regarde. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Et j'ai profité pour essuyer. Ben, c'était sale. Voilà la batterie. Et j'ai chargé ça.
Tchis, c'est lourd, hein, c'est mal lourd. J'ai chargé. Vous voyez? Donc, où c'est chargé là? Ça peut conduire pendant 2 jours, 3 jours. Le temps, ça s'est déchargé là. Quand il rentre comme ça là, je soulève le capot là. Je démonte. Je charge. Voilà, donc, alternateur là, je fais ça à la maison. Je remaille. Quand on vous dit on est blessé, on va faire un amusement. Quand je vous dis, même mes parents, d'autres sont fâchés. Et chez eux, dès que tu es venu aux États-Unis, il faut aller voler l'argent de Barack Obama, l'argent de Donald Trump pour les donner. Et il ne sait pas que États-Unis au Côte d'Ivoire, c'est la même chose là. Tu dois souffrir pour réussir. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ce qu'on traverse. Il a te donné, pourquoi il a te dit ma voiture à Dama? Tu ne sais pas que les RDN nous cherchent? Je ne dis pas ma voiture ici. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà comment je me gère actuellement. C'est-à-dire, moi, là, je peux conduire voiture pendant 10 ans sans alternateur. C'est-à-dire, ce qui fait démarrer, là, je peux conduire voiture sans ça. C'est ça, le mind. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, les leçons de vie. Aujourd'hui, elle est 7. Ça fait déjà une semaine qu'il a créé. Il a créé ça le premier. Allez-y vous abonner. Parce qu'on va vous donner les secrets. Comment vous en sortir de la vie. Voilà. Vous voyez, c'est l'intelligence. Puisque ça, là. Ça là, j'ai acheté, je me rappelle même plus, il y a longtemps, il y a ça, hein. Mon train, c'est moins de $100, ça là. Vous voyez, non? C'est moins de $100. Alternateur là, lui aussi, il est moins de $100. Mais souvent, il se gâte chaque 4 ans, chaque 5 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans, chaque 10 ans. Alternateur là, ça se gâte. Ça ne dure pas comme ça. Parce que lui, il tourne tout le temps. C'est lui qui charge la batterie. Donc, quand il est wow, surtout acheter ça, dans un coin où c'est pas original, tu es mort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est ça là, je prends, mon frère. Ça veut dire quand il va démarrer là, je ouvre le capot, je branche ça sur les fils de trucs là, où il y a les batteries là, tu branches, il y a le rouge, il y a le noir, tu ne peux pas te tromper. Tout est calculé, tu branches rouge, noir sur noir. Tu montes dans la voiture, tu démarres. Quand la voiture roule là, tu viens, tu enlèves, tu fermes le capot, tu es parti, mon frère. Quand il va revenir, c'est même chose. J'ouvre le capot, je branche. Machon, je ferme, je mets derrière. Baya Jésus à la maison. Je conduis sans alternateur. C'est dans le tibia. Ça se passe. Attends, c'est moins cher que l'alternateur. Vous voyez, non? Voilà. Souvent, quand je viens, je charge la batterie pour que ça fasse 2-3 jours, comme je viens de faire là. Toute la nuit. Avec ma batterie, ça peut démarrer. Parce que seulement ça va m'aider à démarrer. Et puis, je ne joue pas radio. Voilà, radio qui est dans la voiture là, j'éteins. Il n'y a pas de lumière. Quand tu ouvres la portière là, lumière qui s'allume là, j'éteins. C'est ça qui dit ça, batterie. J'éteins. Quand il conduit, c'est le silence total dans la voiture. Quand il vient, baya, il est garé, mon frère. Donc vous voyez, voilà, c'est ça, vraiment le patriote. Il y a d'autres qui se plaignent pour dire, ah, tu aimes parler de toi, de parler de ta grand-mère. Adama, quelqu'un dit qu'il vit seul. Il a parlé de qui? Si il veut donner un exemple, je donne un exemple sur moi-même. Ça veut dire que je suis une bonne personne. Ça veut dire que ma vie, là, ça donne des conseils. Je peux prendre plusieurs parties de ma vie pour parler de quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Vous vous plaignez pour rien et vous vous plaignez dans tout. Ah, tu aimes parler de toi. De parler de qui? Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta maman. Je ne connais pas ton papa. De parler de qui? C'est ça qui est la triste réalité. Je me réveille, je suis seul. Je dors, je suis seul. Je mets chiot, je suis seul. Je prépare, je suis seul. Quand je fais vidéo aussi, je suis seul. Mais je parle de moi. Adama, il parle de moi. Mais est-ce que je t'ai dit, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Est-ce que je t'ai dit d'autres choses? Non. On dit des choses qu'on peut dire et on ne dit pas des choses qu'on peut dire. C'est ça aussi la triste réalité. Et c'est parce que je suis fier de moi que je parle de moi. Parce que moi-même, je suis un témoignage. Je suis un exemple dans tous les domaines. Voilà. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. OK? Voilà. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Le nom, c'est Leçons de Vie TV. C'est la seule chaîne YouTube qui a ce nom-là. Si vous tapez, vous allez voir. Ma photo de profil, c'est un dessin. Il y avait un Togolais qui m'avait dessiné dans le temps, là. Vous voyez, on est populaire, hein? Moi, on m'a dessiné aussi, hein? Vous voyez, on m'a dessiné aussi. Mais c'est parce que je n'aime pas me faire voir. C'est pourquoi je n'ai pas partagé sur les réseaux sociaux. Sinon, on m'a dessiné. Quelqu'un a pris l'une de mes photos et puis m'a dessiné, quoi. Et puis m'a envoyé ça. C'est ce que les gens font sur les gens, là. Moi aussi, on m'a fait ça. Et il y a longtemps, hein, ça fait plus de 3 ans que le gars, là, m'avait dessiné.
Donc, c'est ça qui est pris pour mettre comme photo de choses. Je vais vous montrer à quoi ressemble la chaîne pour ne pas vous tromper. Parce qu'il y a une autre chaîne qui a le même nom, mais il n'y a pas TV devant. Hein? C'est seulement leçon de vie, mais il n'y a pas TV. Pour moi, il y a TV pour faire la différence. Donc, vous tapez leçon de vie. Leçon de vie. OK? TV. Ils vont dire encore, ah, Herman, tu aimes parler de toi. Mais de parler de qui? J'ai fait la publicité de ma chaîne YouTube. Ça, là, il y a les gens qui se fâchaient encore. Adama. Quand on est en direct, c'est ça le direct. Le direct, on parle de tout. Et de tout. Donc, vous voyez, quand vous tapez, il y a deux chaînes YouTube. Il y a deux chaînes YouTube. Là où il y a image de dessin, là, ça, c'est dessin. C'est moi, je suis là comme ça. OK? J'étais encore manager à McDo. Donc, la photo, là, c'était la manière dont je m'habillais dans manager, là. Donc, on portait cravate, tout et tout. Donc, il a pris ça pour dessiner. Voilà ça, à quoi ça ressemble. OK? Nous avons 4 vidéos maintenant. Aujourd'hui, j'ai produit une vidéo aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, va regarder. Voilà ça ici. Le thème, c'est... Voilà ça ici. Le thème, c'est... Ce n'est pas ton problème. C'est ça, le thème. Voilà. Ce n'est pas ton problème. OK? Donc, il y a 80 et quelques personnes qui ont quand même regardé. Ah, nous sommes déjà à 153 abonnés. C'est déjà bon. C'est pas mauvais. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. On a même parlé, on a fait les leçons de vie sur Donald Trump. Voilà. Sur Donald Trump, OK, on a fait leçon de vie hein, par rapport à la détermination. Est-ce que vous savez que Donald Trump, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici même d'ailleurs, il a fait plus de 900 meetings. Et dans la vidéo d'hier, j'ai parlé de l'insistance dans la vie. C'est très important l'insistance. Dans un pays où il y a 53 États, ou 54 États, si je ne me trompe pas. Lui, il a fait 900 meetings. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est lui-même qui a dit. Il a dit ça. Son discours, après qu'il ait gagné, là, il a parlé de ça. 930, si je ne me trompe pas. 900 meetings dans un pays où il y a 53 États. Vous voyez l'insistance? Un monsieur qu'ils ont loupé, ils ont failli le jar. Il est revenu ici plus de 3 fois. Pennsylvania, il est reparti là-bas plus de 4 fois. Il baille, il insiste, il répète les mêmes paroles. Il répète les mêmes paroles. Les gens se moquaient de lui. C'est pas de lui que les gens se moquaient quand il a dit que they eat the dog, they eat the pet. Il a dit que les gens, les immigrés mangent nos chiens. Ils mangent nos animaux domestiques. Les gens se moquaient de lui. Ils ont pris cette parole-là. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils n'ont qu'à se moquer, on va voir. Pourquoi ils sont allés pleurer? Le monsieur est en train de parler, vous ne l'écoutez pas. Vous ne savez pas que la répétition est une pédagogie. Elle est pédagogique. Il a insisté. 900. Ah oui, moi je le respecte. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis plus jeune que lui. Et puis quand il parle, il s'arrête, hein. Il s'arrête. Il est arrêté pendant des heures et puis bye. Toutes ces vidéos sont sur YouTube. Faut taper Meeting Pennsylvania. Bon, ils appellent ça Rally. R-A-2-L-Y. Rally. Ou bien MAGA. Faut taper MAGA. Si c'est rien, c'est 1h30. 2h. 1h40. Il est arrêté et puis bye. Il bye. Il a insisté. Plus de 70 millions d'Américains l'ont voté. Ah oui, dans la vie, il faut insister. Donc, c'est de ça que j'ai parlé dans cette vidéo. Ça m'a étonné que ça fait quand même des vues. Hein? Une chaîne qui n'a... Je n'avais même pas même 50 abonnés. La vidéo fait quand même 700 vues. 700. La première vidéo, ça fait 4 jours. Ça fait 1200 vues. 1200 vues. Je n'avais même pas encore 20 abonnés quand j'ai fait la première vidéo. J'avais 0 abonné. Mais 1200 vues. La vidéo d'aujourd'hui, ça y est à 80 vues. Voilà, 80 vues. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Nous faisons les leçons de vie là-bas, les conseils de vie. Et je vais vous expliquer beaucoup de secrets. Par exemple, à faire des alternateurs, ça peut aider quelqu'un. Imagine que tu n'as rien. Et puis ton alternateur est gâté. Voici une alternative. Et ça là, même si tu n'as pas l'équipement qui charge là. Parce qu'un garçon doit avoir ça. L'équipement qui charge batterie ou l'équipement qui démarre la voiture. Mais même si tu n'as pas ça, tu peux aller emprunter à ton voisin mais à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes à 1h. Oh, on n'est pas encore à 1h. On est à 55 minutes, mais c'est déjà 1h. Voilà, donc j'avais prévu 1h de show. Ça, c'est le show, hein.
Beaucoup vont s'énerver, beaucoup sont contents, mais le show, c'est le show. C'est pas toutes les notes de la musique qui plaît à tout le monde. Il y a des gens qui aiment le reggae, il y a d'autres qui aiment le zouk, il y a d'autres aussi qui aiment les djaba, djeneba djaba. Donc, quelle que soit la musique que tu as reçue au travers de mon direct, j'ai envie de dire que je m'en fous un peu, quoi. Peut-être dans la ville, si on veut regarder, les gens n'ont pas évolué. Donald Trump, là, si vous voulez écouter... Vous savez quoi? Ses amis lui ont dit de ne pas répéter certaines paroles. Par exemple, déportation, on dit faut pas dire ça. Ça a fait que tu vas perdre. Il dit, si j'ai perdu à cause de mes opinions. Plus de la moitié de ceux qui vivent ici sont des immigrés. Soit directement, soit indirectement. Parce que moi, mon enfant, s'il est né ici, là, si mon enfant est né là, mais à chaque fois qu'ils vont frustrer un immigré, ça va le concerner. Parce que son papa est immigré. Vous voyez, non? Mais il n'a pas eu peur, il a parlé, mon frère, n'ayons pas peur. Même Babo l'a dit. Babo dit, n'ayez pas peur, parlez. Comme ça, on saura ce que vous pensez. Dans la vie, nous tous, on a notre destinée. N'ayez pas peur de la vie. Voilà. Et insistez. Même si tu aimes une fille qu'elle ne t'aime pas, il faut insister. Je vois des hommes qui font des vidéos. Non. Si c'est comme ça, je te mets dehors. Si c'est comme ça, les gens se jouent au coach. Dans la vie, là, c'est pas comme ça. Hein? On insiste. Mais c'est ce qu'elle te dit. Tu es avec un homme. Il faut rester avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Donald Trump, comme Mike Pence, l'ancien premier ministre. Il a abandonné Donald Trump. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il regrette. Il se dit, hey, s'il était avec lui, même si on dit qu'il est un bêtisier, même si on dit c'est un raciste, même si on dit qu'il est mauvais, s'il était resté avec lui, peut-être qu'il allait me mettre quelque part encore. Vous voyez, non? Mais qui parle de lui maintenant? Personne n'est pas de lui. Mike Pence ou même quoi là? Personne n'est pas de lui. De vice-président, il est éteint. Le monsieur a pris quelqu'un d'autre encore. Vince. C'est Vince qui sera son vice-président. Voilà. Dans la vie, il faut insister. Il ne faut pas écouter les ondits. L'ancienne copine de Eto'o, elle regrette aujourd'hui. Si elle avait insisté avec Eto'o n'allait pas prendre la vieille dame là. Bon, elle n'est pas vieille. Mais elle est vieille que Eto'o. Il n'allait pas prendre ça. C'est avec elle, elle est restée. Vous n'insistez pas. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que j'ai dit là-bas. Il faut insister dans la vie. Il faut persévérer dans la vie. Il ne faut pas quitter tes opinions. Les filles de maintenant, elles aiment écouter leurs copines, leurs collègues. Dès qu'il y a quelque chose dans son couple net, elle va courir pour aller expliquer à sa collègue. Elle va courir pour... C'est-à-dire, elle-même, elle n'a même pas de décision. Hein. C'est-à-dire, quelque chose se passe entre toi et puis ton chéri. Tu ne cherches même pas à avoir... C'est-à-dire, toi-même, il faut avoir d'abord une position avant d'aller demander l'avis de quelqu'un. Mais elle n'a même pas sa position. C'est-à-dire, dès que quelque chose se passe net là, la position de sa copine est sa position. Mais ici, ta copine, elle est jalouse de toi. Et toi, tu ne sais pas. Elle va te donner tous les faux conseils pour que tu quittes le monsieur. Entends, le monsieur, peut-être que tu as pu trouver un homme comme lui encore. C'est comme ça que les gens regrettent dans leur vie. Parce qu'ils sont passés à côté des bonnes personnes. C'est même chose comme au boulot. Toi, tu as un bon poste. Parce que ton patron a un petit caractère qui ne te plaît pas. Tu vas aller raconter aux gens, on dit, oh, faut le quitter. Ah, tu as le diplôme. Tu peux aller chercher du travail ailleurs. Quand tu le quittes là, tu ne gagnes plus le même poste encore. Tu galères pour avoir ça. C'est pour aller faire un travail inférieur à ton truc. Parce que ton patron avait une attitude que tu n'aimes pas. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Nous ne sommes pas nés de la même famille. Nous ne sommes pas nés dans le même environnement. Chacun a son comportement. Si tu veux évoluer seulement avec les gens qui ont le même comportement que toi, tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Voilà. On ne quitte pas quelqu'un à cause d'un tic. Il y a des choses qui sont inacceptables. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des choses quand même, tu peux fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux, ma soeur ou mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci. Allez-y vous abonner, comme je le dis, à la chaîne Leçon de Vie TV. Leçon de Vie TV. Abonnez-vous là-bas. C'est là-bas que je donne ce genre de conseils. Comme ça, c'était un direct de show. Nous sommes maintenant à 1 minute 20 secondes.
je vais devoir couper le direct. Merci pour tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux, pardon. Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont commenté et qui ont activé les cloches de notification pour ne rien manquer. Merci, chers camarades. Je crois qu'il est temps pour moi de couper le direct. Voilà. Donc, bon jeudi chez vous. Si je ne suis plus revenu vers vous avec une vidéo, c'est pas grave. Demain, c'est un autre jour. On pourra framponner les vidéos politiques. Je voulais faire ce petit show. Je vais m'occuper de moi-même un peu. Et puis, on va se voir demain. Mais si je suis beaucoup, si je suis encore en forme, peut-être que je vais essayer de vérifier, de voir un peu sur la toile s'il y a un sujet qui me tient à cœur. On va faire une vidéo pour vous balancer. Voilà. Donc, si vous n'avez plus eu de mes nouvelles, je vous souhaite bon vendredi, bon samedi, bon dimanche et bonne chance dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça sera ma dernière vidéo, mais je sais que non. J'ai trop de choses à donner à ce monde. Dieu va me garder encore en vie pour très longtemps. Très longtemps. On va trompéliser la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est nous, on va être les Donald Trump de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, Dieu va nous donner une très longue vie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, chers dames. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, monsieur et messieurs et mesdemoiselles. Voilà, on espère que monsieur Trump va aider le monde à aller de l'avant. Dans le cas contraire, il sera dronistifié. Merci, chers camarades. Au revoir.